Bonjour Aldaïra, bonjour Romy. Merci d'avoir répondu à ce rendez-vous d'holocommunication empathique. Nous t'écoutons. Face à la crise de conscience mondiale actuelle, quel conseil donnerez-vous pour gérer au plus juste la grande transformation planétaire globale? Pour gérer cette crise de conscience planétaire, l'abaissement de votre taux d'émotion de peur et de stress sont les facteurs les plus probants et les plus efficaces. Cela doit constituer une de vos priorités planétaires. Merci. Êtes-vous prêt à soutenir et à encourager les révélations sur le rôle sacré que joue la France dans cette transformation et pour la liberté du monde? Ce territoire que nous nommons dans votre culture la France a en effet été choisi depuis bien longtemps pour canaliser et guider l'ensemble des populations de ce monde vers leur libération spirituelle. Merci Romy. La Fédération au service de la vie désire mettre en place une dynamique citoyenne nommée la force harmonique du monde libre, qui soutient et aide la population mondiale à se hisser à un plus haut niveau de conscience planétaire. Pouvez-vous commenter cette proposition? Je laisse Romy argumenter sur cette proposition. Cette proposition est, de mon point de vue, juste et nécessaire pour qu'une puissance spirituelle bienveillante puisse soutenir de façon globale et constante l'émergence d'une gouvernance vibratoire en accord avec la suite événementielle qui va vous être proposée avec notre accompagnement. Merci Romy et merci Aldaïra de tous ces éclaircissements. Que la paix de Vega vous accompagne.